bientôt ne sera plus permis sur YouTube que ce genre de contenu. Des vidéos dépourvues d'illustrations où seule notre voix nous reviendra de droit. Le 12 septembre dernier fut adoptée par le Parlement européen une directive sur les droits d'auteur jugée répressive et dont les articles 11 et 13 sont au centre de la polémique. Largement approuvée avec 438 voix contre 226, la directive a ouvert la voie aux négociations avec le Conseil de l'Union européenne et la Commission européenne, afin de s'accorder sur un texte définitif qui sera alors à nouveau soumis au Parlement d'ici janvier 2019. Le Parlement européen. Moyenne d'âge, 66 ans. C'est à se demander ce qu'ils connaissent vraiment d'Internet. L'article 11, comme il est proposé actuellement, créerait un droit voisin au profit des éditeurs de presse en leur permettant d'exiger une rémunération lorsque leurs contenus sont partagés par les services d'agrégation de nouvelles. En gros, taxer les liens hypertextes. Dans un entretien au Guardian, le vice-président de Google en charge des médias, un certain Richard, a déclaré la fermeture de Google News dans toute l'Europe si cet article 11 venait à être promulgué. De nombreux observateurs craignent que cet article 11 remette également en cause le fonctionnement même des sites comme Wikipédia qui repose sur l'utilisation importante de sources extérieures et de citations. Wikipédia, plus de 25 000 articles créés par jour sur les différentes versions linguistiques du site et plus de 10 millions de modifications par mois. Qu'on se le dise, une telle loi est inapplicable. Quand on pense aux réseaux sociaux qui reposent sur l'idée même du partage libre et de l'information, on les voit mal payés pour nous donner le droit de publier un article de presse. Ils auront plus vite fait de bloquer les comptes. Bon, paraît-il que cela ne s'appliquerait pas aux gens ne partageant pas d'articles à but lucratif, mais cela reste à voir. En tout cas, les éditeurs de presse et l'industrie du divertissement de la culture qui se sont prononcés en faveur du texte espère tout de même que ces nouvelles dispositions puissent être la source de revenus supplémentaires. C'est risible. On a bien vu ce que cela a donné en Espagne, après qu'une loi nationale du même type avait été votée en octobre 2014 et appliquée en janvier 2015. Une loi qui taxe tous les agrégateurs de contenu, avec Google en tête. Google avait préféré refuser de payer les éditeurs de presse et avait décidé de fermer son service un mois avant l'application de la loi. Résultat, l'impact fut catastrophique. Plusieurs petits agrégateurs de contenu ont dû fermer, réduisant la diversité éditoriale. Et le trafic a fortement baissé pour les plus petits éditeurs de presse, pénalisant de ce fait le secteur publicitaire en lui faisant perdre des espaces de pub. Un beau fiasco, en somme. Faire payer des articles d'information qui sont pour la plupart disponibles gratuitement. C'est scandaleux. Je dirais même plus, faire payer la pratique du référencement et du lien hypertexte, ça revient à s'attaquer au fondement même du World Wide Web. Si l'article 11 est appliqué en Europe, alors les géants du web préféreront fermer leur service que de payer cette link tax, comme on la surnomme déjà. De toute façon, des géants comme Facebook se moquent bien de voir disparaître les médias sur leur service. Il y a tellement de merde qui circule et qui buzz bien plus que ces articles de presse. Suffit de voir les fake news. Elles sont bien plus efficaces pour les annonceurs. Chers éditeurs de presse, vous qui êtes partisans de l'article 11, je vous le dis, vous vous tirez une balle dans le pied. Et l'article 13, parlons-en, lui qui vise directement les créateurs de contenu. Cet article obligera les géants du net à se responsabiliser en vérifiant et filtrant l'ensemble des contenus avant leur mise en ligne. En gros, empêcher les utilisateurs de publier des contenus jugés sous copyright. Si on prend comme exemple YouTube, c'est près de 400 heures de contenu uploadé par minute. Je ne vois pas comment ils peuvent faire pour trier tout ça, si ce n'est tout bloqué à la source. Cette bonne vieille Suzanne, la directrice générale de YouTube, affirme que la mise en œuvre de l'article 13 serait impossible et que de toute façon les ayants droit eux-mêmes ne savent pas qui dispose de quel droit. Vaste problème donc. Elle a d'ailleurs rajouté que depuis l'apparition de l'outil Content ID, qui protège tout ayant droit, YouTube a déjà versé pas moins de 3 milliards de dollars. Mais on sait déjà que l'outil ne peut assurer les exigences de cette nouvelle directive européenne. Alors le choix sera vite fait. Étant donné que le robot YouTube est déjà incapable de faire la différence entre l'utilisation illégale d'une œuvre et une simple parodie,
YouTube devra donc prendre la décision de bloquer les chaînes. Et rien que pour les 27 États membres de l'Union européenne, on parle de 35 millions de chaînes bloquées, soit près de 4 millions rien qu'en France. Certes, Suzanne a affirmé ne point se retirer du marché, et donc ne pas priver sa plateforme à l'Europe, à l'inverse de Google News. Mais il y aura des barrières entre chaque continent, ce qui aura un impact sur l'audience outre-Atlantique. Cela va même plus loin que ça, puisque la liberté d'expression serait fortement remise en cause, tout ça au nom du droit d'auteur. Dire qu'à la base l'article 13 est censé mettre en avant les petits créateurs et les défendre, un vrai merdier qui va en foutre plus d'un au chômage, oui, et mettre à mal certaines plateformes. Toutefois, je dois avouer qu'il existe des amendements intéressants dans cet article 13, comme l'obligation à tout ayant droit, via le Content ID, de justifier sa plainte, par conséquent de justifier tout strike afin qu'il n'y ait d'abus. Mais concrètement, cela générera plus d'inconvénients que d'avantages, inutile de se voiler la face. Je vois des tas de vidéastes évoquer le sujet depuis plusieurs jours, mais nombreux sont ceux qui restent dans le flou, car il faut l'avouer, cet article 13 est très vague. Comme la loi est en train d'être rédigée, il est difficile de savoir à l'avance ce qu'elle stipulera et exigera. En tout cas, non. La loi ne devrait pas appliquer la rétrocompatibilité. Donc les vidéos produites avant l'application de cette loi ne seront guère bloquées si elles devaient l'être. Et normalement, non. Les marques de produits se trouvant en arrière-plan d'une vidéo ne devraient pas faire l'objet d'une censure ou d'un blocage, car il est important de faire la différence entre une œuvre artistique et une propriété industrielle. Ce sont deux choses différentes. Ici, l'article 13 concerne surtout l'œuvre artistique. À surveiller, mais je doute. Enfin, les mèmes et autres gifs ne devraient point disparaître. C'est un autre domaine. Pour être sincère, je ne m'en fais pas vraiment. Une telle loi, même si elle devait finir par passer, mettrait 1 à 2 ans avant d'être appliquée. De plus, s'il y a opposition, des parlementaires qui demandent une discussion, la pétition ayant atteint son objectif, une opposition des grandes entreprises, alors la loi peut être repoussée. Enfin, quand une loi est appliquée, elle doit être vérifiée par chaque État membre, afin d'être adaptée selon les lois nationales. Ce qui risque là aussi de compromettre l'article 13 et de faire traîner tout ça en longueur. Donc sur papier, il y a de bonnes comme beaucoup de mauvaises idées, mais en pratique cela reste infaisable. Il faut donc s'attendre à une loi remaniée et plus insidieuse que ça. Je trouve ça marrant en tout cas que Suzanne nous demande notre aide pour défendre YouTube et Internet en général. Aucune justification, pas un mot sur les centaines de milliers de démonétisations qui font rage sur la toile depuis des mois. Mais on devrait tous être présents quand YouTube nous demande notre aide pour sauver leur intérêt. Je trouve cela un peu culotté. En tout cas, une chose est sûre, si YouTube doit prendre ses responsabilités vis-à-vis de l'Europe, ils ne prendront pas le risque de subir des sanctions, ni de payer tous les possibles ayants droit. Ça sera plutôt une vaste censure automatisée ou retrait du service dans une bonne partie de l'Europe, contrairement à ce qu'ils prétendent. YouTube reste une entreprise avant tout. Ils ne peuvent donc pas se permettre de perdre de l'argent, c'est logique. En attendant, Suzanne prône le droit à la créativité et tient à défendre la liberté d'expression en nous incitant à protester, gueuler et faire valoir nos droits, le tout sous l'hashtag Save Your Internet. Mais si on la voit monter au créneau, c'est surtout parce qu'elle se rend compte que sans nous, les créateurs de contenu, YouTube n'est rien. Nous verrons bien ce qui sera décidé d'ici janvier. En attendant, certaines chaînes cancer vont continuer d'en profiter pour amasser un max d'argent, tandis que d'autres vidéastes continueront de se casser le cul pour un contenu de qualité, tout en faisant face à une démonétisation devenue pratiquement systématique. En tout cas, l'avenir sur la toile semble déjà être à l'image des articles 11 et 13. Totalement flou.